merci à toutes. À nouveau ensemble pour un nouveau projet. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Votre pull ne vous convient plus, soit parce qu'il est trop juste, soit tout simplement parce qu'il est démodé. Comment customiser un pull? À l'encolure coupée. Ici sur le devant, au milieu, coupé. Ici, au niveau de l'encolure, arrondir, tracer, enlever. Ça va vous donner cette forme. Mettre de côté. Dans des chutes de tissu, couper des bandes de 10 cm de large. Le nombre de bandes et la longueur doivent correspondre à l'ouverture de votre pull en faisant tout le tour. Assemblez les bandes l'une sur l'autre, endroit sur endroit. Épinglez, piquez la valeur de pied presseur, point d'arrêt début et fin. Avant de continuer, contrôlez si la longueur de la bande correspond bien à votre pull. N'oubliez pas, bien sûr, à l'extrémité de laisser 2 cm. Pliez la bande endroit sur endroit, épinglez et piquez à 1 cm du bord. Point d'arrêt début et fin. Et vous faites la même chose pour les deux. Coupez l'angle, retournez, ressortez bien les pointes, pliez en deux, épinglez tout le long et faites une piqûre de maintien, une toute petite piqûre de 3 mm. Faites une surpiqûre de ce côté tout le long pour aplatir la bande. Épinglez la bande sur le pull, sur l'endroit, en démarrant par le bas et en épinglant tout autour. Vous avez épinglé convenablement, piquez la valeur du pied presseur, point d'arrêt début et point d'arrêt à la fin. Poursuivez avec un point de zigzag tout le long ou surfilez. Dans une chute de tissu, coupez 15 cm sur 17 deux fois. Passez un point zigzag ou surfilez tout autour. Vous faites la même chose pour les deux pièces. Sur la partie la plus longue, pliez 2 cm et épinglez. Et surpiquez sur 1,5 cm. Pliez les trois côtés, 1 cm, épinglez, pliez de ce côté, épinglez et épinglez le bas. Donc vous allez avoir des poches déjà prêtes, préparées pour être posées. Posez la poche après le bord-côte et à 3,5 cm du bord. 3,5 cm ici et 3,5 cm également en bas. Et vous faites la même chose pour les deux. Piquez point nervure, point d'arrêt au début, vous piquez tout le tour et point d'arrêt à la fin.
et vous faites la même chose pour les deux. Nous avons fini. Pour ma part, je vais le laisser tel quel. Je n'ai pas besoin de faire ni bouton pression, ni quoi que ce soit. Votre gilet, facile et rapide en quelques minutes. Si vous avez un pull qui est trop juste ici, trop serré, alors pourquoi ne pas le transformer? Vous avez aimé ce tutoriel? Alors partagez-le. Pour ma part, j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!